Je suis vétérinaire de formation et je me suis orienté en fin d'études, j'ai complété par une école de commerce et je me suis orienté sur l'agroalimentaire. Et moi j'avais des envies de changer de secteur une nouvelle fois. Parce que c'est assez simple, j'avais fait de la restauration, de la grande distribution, j'avais pas énormément accroché. D'où vient la reprise? Honnêtement, je n'ai jamais pensé travailler dans la nu. À aucun moment, je n'avais d'ailleurs aucune expérience. Mon expérience était en gestion d'entreprise, oui, dans un secteur de la nature, non. Il y avait une vraie volonté de sa part aussi de transmettre, de rester dans la famille. Donc c'était fait en transparence. J'ai penché sur la reprise avec lui, j'ai trouvé un intérêt certain et je me suis jeté à l'eau. Je pense que la première crainte, moi, c'était la première fois que je travaillais pour moi. C'était pour moi, que c'était mon risque financier, ma garantie, mon cautionnement, ma maison. ça, oui, c'est au début, on hésite un peu. Moi, j'étais pas forcément entrepreneur quand même. J'étais très bien en tant que salarié, dirigeant de ma boucle. Je m'entendais très bien avec ma direction. J'aurais pu faire une carrière en chef d'entreprise salarié. Après coup, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que oui, c'est sûr que quand on reste tard, on se dit que c'est pour soi. On travaille pour soi, ça n'a pas de prix.